Bonjour, 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 bienvenue dans la cuisine des Maggie officielle. Notre recette du jour, on va cuisiner de la ratatouille. Ratatouille. Nous allons faire de la ratatouille. Donc là, vous allez voir, j'ai les tomates, j'ai le piment, piment arabe, hein? Voilà. J'ai le poivron rouge, poivron vert, poivron jaune. J'ai le poivron aussi de ce type-là. Et j'ai les poirons et l'oignon en feuille, aubergine, des aubergines. Et j'ai 5 courgettes comme ça, des tout petits. Donc, équivalent de 2 courgettes aussi. Si on fait comme ça, 2, 2 et la moitié, ça fait équivalent de 2 courgettes. Et j'ai l'oignon, voilà. Et j'ai l'ail et gingembre. J'ai le sirop de magie, j'ai du sel, j'ai le paprika, j'ai le muscade, j'ai le gingembre en poudre, j'ai le curcuma, j'ai le bouillon de légumes et j'ai le céleri congelé, donc mixé et congelé. Voilà. Donc c'est ça pour cuisiner notre légumes ratatouille. On passe à l'étape. Donc, sachez que les assaisonnements, c'est ça qui rend les repas très, très délicieux. N'oubliez pas d'ajouter dans votre repas des ingrédients. Donc là, j'ai oublié de mettre. Donc, je vais ajouter les poivres moulés. Là, je vais ajouter les poivres. Donc, c'est ça. Je vais couper mes légumes. À tout de suite. Donc là, j'ai fini à couper les courgettes, les poivrons, tous les poivrons, je les ai coupés, ils sont là. Et les aubergines, l'oignon, tomates, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai trempé les tomates, après j'ai enlevé la peau des tomates et là, je les ai coupées. Ça, c'est le poivron avec l'oignon en feuille. Et vous voyez, céleri, il le fondu, c'est déjà bien. Sirop de magie, sel, bouillon de légumes. Là, j'ai ajouté. Il y a les curcuma, il y a les muscades, il y a les paprika, il y a le gingembre en poudre, il y a les poivres. Il y a l'ail et le gingembre frais. Voilà. Tous les ingrédients sont utiles pour le ratatouille. Voilà. Si tu veux manger un bon ratatouille, il faut savoir à mettre tous les ingrédients dans les casseroles. Continuez à vous abonner, à liker, à partager, à aimer, à mettre vos commentaires. Nzamba Pambola Bino. Merci. Ratatouille, c'est l'étape par étape. Pour faire la ratatouille, c'est l'étape étape. Donc là, je mets mes oignons. Je mets les oignons avec les poivrons et les feuilles des oignons. Je mets là et l'ail et le gingembre. Je mets l'huile d'olive, donc je le cuisine avec l'huile d'olive. Voilà. Voilà, vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup. Vous voyez, juste j'ai mouillé les casseroles avec l'huile. Et là aussi, je mets un peu d'huile, donc je mets mes poivrons. Je vais les laisser griller un peu. Donc là, il y a les poivrons, là-bas. Il y a les oignons. Ça commence un peu à griller, vous voyez. Et là, j'ajoute les tomates. Comme ça, on fait les ratatouilles. Et là, je fais griller mes poivrons. Et là, les tomates et les oignons, très très bien mélangés. Et là, vous voyez,
Les poivrons, ça grille un peu. Je les mets avec les tomates. Et là, je mets les courgettes aussi dans la poêle. Je vais les faire griller aussi séparément. Regardez vous-même les couleurs. Vous voyez les couleurs? Voilà. Là, vous voyez les poivrons. Ça, c'est les courgettes, vous voyez, c'est cuit aussi. C'est bien grillé. J'ai un corcole aussi. Et là, je vais mettre maintenant les aubergines à faire griller aussi séparément. Voilà. Donc, je n'ajoute pas les matières grasses, juste les matières grasses de ma poêle. Si vous voulez, vous ajoutez juste un tout petit peu. Voilà. Pour avoir un peu une poêle qui ne colle pas. Et là, c'est bien mélangé aussi. Les aubergines, moi j'enlève la peau, hein, parce que la peau, je les trouve un peu dure. Hein. C'est pour ça que j'enlève la peau d'aubergine. Et là, c'est frais aussi. Si j'allume ça, ça va faire trop de bruit. Voilà, j'aime pas du tout. J'ouvre juste les fenêtres. C'est bon. Et j'ajoute encore dans mon casserole. Allez, on étend le premier plaque. Voilà. Tous les mélanges de légumes. Vous voyez comment c'est beau. Juste en regardant comme ça, ça donne envie de manger. Là, j'ajoute le céleri. Il faut vraiment mixer le céleri. Il faut mixer. Voilà. C'est encore un peu congelé, mais ça va s'effondrer dans les casseroles. Et j'ajoute mes épices. Voilà. Et j'ajoute les kibos, les bouillons. Et j'ajoute du sel. Voilà. Les sirops de manger, je vais mettre plus tard. Et là, je laisse à feu doux pendant 20 minutes. Voilà, pour 20 minutes, j'ajoute un peu d'eau pour éviter que ça brûle. J'ai ajouté un peu d'eau, un peu. Voilà. Avec les mesures que j'avais pu, vous voyez, il y a les restes. Un peu d'eau, voilà, pas beaucoup. C'est vraiment très bon si vous ne voulez pas vraiment grossir, il faut manger des légumes comme ça. Vous pouvez les manger avec la viande, les poissons, les poulets, comme vous voulez, accompagner avec. Vous pouvez manger avec du riz, avec des bananes plantains, avec des pommes de terre, avec la chikwang aussi, si vous voulez, hein, les manioc, comme vous voulez. Voilà, voilà. Le repas est fini. J'ajoute le sirop de manger. C'est la fin. On va tourner tout doucement. Voilà, c'est fini, nos légumes, des ratatouilles, voilà, fini. Notre repas est fini, la ratatouille, je sais pas comment dirais-je. Notre ratatouille est fini de cuisiner, donc le repas des légumes, aubergines, courgettes, poivrons, céleri, oignons, poirons, oignons en feuilles. Fini, voilà. Notre repas est fini, vous voyez, notre ratatouille est fini. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Suivez la recette pour manger des bons, des repas très très sains. C'est plus qu'au restaurant. Si vous allez au restaurant, vous demandez, je vais manger des ratatouilles, on ne va pas vous ramener des ratatouilles comme ça. Voilà vous-même. Voyez, même le couleur, hein? Pas beaucoup d'huile, tomates, tout ça. C'est l'assaisonnement qui compte.
continuez à vous abonner. Vous abonnez, je mets des vidéos. Vous likez, vous envoyez vos commentaires, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous envoyez des commentaires, je vais vous répondre. Si vous voulez être en bonne santé, en forme, suivez la recette de la cuisine de Maggie officielle. Vous allez voir votre vie, ça sera changé. Votre vie va transformer. Vous allez voir votre quotidien va changer. Même votre mari va vous poser beaucoup de questions. Voilà, même vous, l'homme, si vous savez cuisiner, cuisinez comme ça. Même votre femme va vous poser beaucoup, beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse vraiment pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, qui hésitent de s'abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis, s'il vous plaît, abonnez-vous pour soutenir votre sœur dans la cuisine des Maggie officielle. Je vous avais dit, on parle de la femme de Proverbe 31, la femme polyvalente qui sait beaucoup faire. Donc, notre repas est là. Vous pouvez le manger avec du riz, pommes de terre, du pain, accompagnement avec viande, poisson, poulet, comme vous voulez. Voilà, mais moi, je vais le manger comme ça, voilà, avec du riz. C'est bon, hein? Même avec du pain. Les amateurs de chicons, vous pouvez manger avec des chicons, des manioc, ça fait du bien. N'oubliez pas, nous avons un grand événement Congo démocratique dans l'église CFC de la foi en Christ. Donc, quand il y a des événements comme ça pour nous qui aiment Jésus, pour nous qui aiment Dieu, voilà, envoyez vos familles, vraiment, et ça sera bien, c'est 7e édition à cause de la foi en Gilles Thérèse, Saint-Thérèse, J-7, donc les 30 et les 31 juillet à Saint-Thérèse. Voilà, même nous qui connaissons déjà Jésus-Christ de Nazareth et les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de Nazareth, je vous invite d'aller à terrain Sainte-Thérèse pour glorifier notre Dieu. Vous savez, dans l'église, si on nous dit de louer Dieu, il faut vraiment danser, louer-les, parce qu'en dansant, nous perdons beaucoup hein, de calories et c'est la forme pour notre cœur. C'est pour ça, l'église, n'hésitez pas à danser quand il y a la louange. N'oubliez pas, danser, adorer notre Dieu, à la louer, hein, avec des danses. Parce que quand on voit dans les salles de sport, on dépense 30 euros par mois pour hein, aller faire des machines, tout ça. Mais à l'église, quand on danse, on perd beaucoup de calories. On peut perdre même 500 calories ou 1000 calories en dansant seulement. À dansant seulement. C'est pour cela qu'on nous dit manger, bouger. Mais à l'église, quand on danse comme l'église de la foi ou bien n'importe quelle église, voilà, c'est chaud quoi. Il faut danser avec ton amour, il faut danser avec l'amour de Dieu, il faut danser, il faut aimer Dieu, il faut danser vraiment quoi. Il faut la louer parce que notre corps là, le souffle de vie, l'oxygène là, ce n'est qu'à lui. Alors manger, bouger, continuez à liker, abonnez-vous massivement, envoyez vos commentaires, que Dieu vous bénisse. À bientôt dans la cuisine de Maggie. Ciao! On est toujours ensemble dans la cuisine de Maggie officielle, on est toujours ensemble. Voyez, comment vous me trouvez? Je suis bien habillée ou pas? Hein? Je vous avais dit, il faut coudre, c'est le modèle simple, vous voyez, c'est simple. Tissi, à 5 euros au marché, j'ai fait panne, blouse, c'est vraiment waouh, c'est du waouh. Voilà, ça fait plaisir, vous voyez. Je le fais moi-même, je vous avais dit, dans la cuisine de Maggie officielle, on touche à tout. Voilà, comment vous trouvez ma tenue? Comment vous les trouvez? C'est panne, voilà, panne avec blouse, 5 euros. Voilà, 5 euros, 50 centimes, voilà. Boucle d'oreille à 50 centimes. Collier, collier aussi à 50 centimes. On s'habille, voilà, donc 5 euros, 5,50 €, 6 euros. Pour 6 euros, je suis habillée, voilà. Comment vous me trouvez? Mettez-moi dans les commentaires, Dieu ne manquera pas vous bénir. Ciao! Nazala kinanga ebembe na vimasia. Sala nanga nyoso lingi epana yonga na ebakite. Nzila na yonga na ebakite. Na mika dimbeka yeso. Titi titi titi. Hey! Nzila yesu ye mugom. Ape ya badola lenge nini. Nana yoka kilo la katango masia pesi indikisa na tosi se kotosa. Natiki nyoso pona ye. Atali singa nzela halobina kende. Toujours, toujours dans la joie, dans l'ambiance, dans l'amour de Jésus. Voilà.
Toujours dans l'ambiance, de la cuisine de Maggie officielle. Toujours dans l'ambiance, que Dieu vous bénisse. Bon appétit. God bless you. Mungo babariki. Mina bapenda kasana. Babone yangu. Mina bapenda kasana. Sana. God bless you. Mungo babariki. Tata Nzambi. Kaba benishe. Voilà, voilà. Nzamba pambo labino. A bientôt dans la cuisine de Maggie. Continuez à vous abonner. Faut pas oublier à vous abonner. Quand tu vois, tu regardes. Sur ton téléphone en bas là, quand tu vois que c'est rouge, c'est marqué abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Continuez à liker, à partager. Que Dieu vous bénisse, c'est mon. Mettez vos commentaires. Hein?